Bonjour, je suis Véronique David, je suis chercheure à la retraite du Centre André Chastel à Paris et je viens ici vous parler à l'occasion d'une donation exceptionnelle. Ce que nous avons derrière nous, c'est le carton, une partie d'ailleurs du carton du vitrail de la verrière de la baie d'Axe de l'église de Villeneuve, baie qui a été détruite en 40 par les bombardements. Ces verrières représentaient les saints Pierre et Paul, et c'est ce qu'on appelle des verrières commémoratives qui sont destinées à rappeler le souvenir des morts de la guerre de 14-18. C'est très rare de conserver les cartons à grandeur d'exécution. Très souvent, on a la maquette, on peut avoir des projets précédant la maquette, mais le carton, c'est très rare, d'autant plus quand le carton est de la main d'un artiste. L'auteur du dessin, en fait, est Maurice Denis. Et ces cartons ont d'ailleurs été retrouvés dans les greniers de Claire Denis, sa petite fille, en 2003. Alors Maurice Denis, c'est une personnalité tout à fait à part, qui un homme aux multiples talents, qui est à la fois un grand peintre, qui est photographe, qui est théoricien, qui fait de la gravure. Il a 3000 œuvres à son origine, 50 musées dans le monde, et c'est l'homme, l'artiste le plus représenté en France. C'est un homme qui s'intéressait à tout, et notamment, il s'est intéressé au vitrail. C'était presque incontournable qu'il s'attache à cet art-là, d'autant plus que c'était quelqu'un de très croyant, et que travailler pour l'Église, c'était pour lui un honneur. Donc, il s'est lancé dans le vitrail, il a 61 verrières à son actif, exactement, et notamment, il a dans son corpus 5 verrières commémoratives. La production de vitraux de l'époque était loin d'être très novatrice. En général, elle était encore liée à des créations d'après des catalogues. Le peintre verrier proposait un catalogue de verrières et on répétait les mêmes cartons d'une église à l'autre. Pour certains curés de l'époque, Maurice Denis était scandaleux. On perd complètement cette notion en voyant ses œuvres. Maurice Denis, d'ailleurs, a entraîné tout un groupe de jeunes gens avec les ateliers d'art sacré à répondre à des commandes d'église. Et ces commandes étaient parfois jugées complètement scandaleuses. On voulait s'en tenir aux motifs habituels et on n'acceptait pas ces nouvelles représentations et ce style particulièrement puissant. Ces cartons, c'est en fait l'aboutissement de toute une recherche graphique pour créer ce vitrail. C'est-à-dire que quand on commence à créer un vitrail, on commence par des esquisses, par des projets. On aboutit normalement à une maquette au dixième de la baie. Et en général, l'artiste qui crée la verrière s'arrête à cette étape-là et donne le carton à fabriquer au peintre verrier. Qui là, on sait que le peintre verrier était une femme, Marguerite Huret. Le maître verrier, c'est quelqu'un de passionnant, hein, sur lequel on pourrait parler pendant des heures, qui est une femme, Marguerite Huret, dont le nom est injustement oublié, qui était une femme énergique, autoritaire, qu'on appelait la jeune fille à la pipe, et qui avait un style très très fort, et d'ailleurs qui apportait aux œuvres de Maurice Denis souvent une puissance supplémentaire, et qui, elle aussi d'ailleurs, était l'objet de critiques très, très acerbes de la part des curés. Mais elle a aussi créé ses propres œuvres, des ensembles abstraits. Cette paternité, je dirais, ou maternité, ne lui est pas reconnue, et c'est vraiment quelque chose à laquelle il faut pallier. Maurice Denis, selon ses cartons, les colorait ou non. Là, il a simplement donné des indications de rehaut de blanc, qui montre qu'à ces endroits-là, il veut que la lumière intervienne, la lumière du vert cru, et quelques indications de couleur bleue. Il paraît d'ailleurs, d'après les tests, que cette verrière avait une clarté bleutée tout entière au-dessus de l'autel dans la baie d'Axe. Les originaux de ces cartons, comme celui-ci, vont être conservés à la Cité du Vitrail, qui va ouvrir à Troyes en 2021. Et en attendant, nous avons mis des facsimilés des lancettes, des autres lancettes, qui resteront dans l'église pendant tout l'été. Je crois que le vitrail a toujours été injustement méconnu. Peut-être parce que, contrairement à un tableau de Chevalet, qu'on peut déplacer dans un musée, dans une galerie d'art, qui a une valeur marchande, va attirer d'autres regards et d'autres enjeux d'ailleurs. Tandis que le vitrail, il est fait pour l'éternité, finalement, dans un monument, et on a tendance à le sous-estimer. Et pourtant, la France est le pays
le plus riche du monde en vitrail, ancien et contemporain. Et vraiment, j'invite les gens à venir visiter cette église où il y a cette superbe création de David Tremlett, cet artiste anglais. David Tremlett qui, d'une certaine façon, n'aurait pas pu exister sans Morisoni. C'est Morisoni qui a ouvert les portes du vitrail, qui a permis au vitrail d'accéder à une certaine qualité, une certaine modernité qu'il n'avait pas auparavant. Et David Tremlett est tout à fait à sa place dans cet édifice.